Alors, je suis dans les Vosges avec Jérémy et Arnaud. On s'est retrouvés pour faire différentes choses. On va faire des caissons pour mettre dans la fonçure de leur CNC. Je ne sais pas si on peut dire fonçure dans le cadre d'une CNC, mais bon, moi je vais dire comme ça. Et en même temps, on va faire des push sticks, des poussoirs pour scie, tout simplement. Voilà. Ténor est une lame de 8 mm d'épaisseur qui peut se monter aussi bien sur une scie parce qu'elle a un alésage de 30 que sur une toupie avec un arbre de 30. Par exemple, pour faire typiquement, c'est idéal pour faire des enfourchements. Donc avec ça, on va pouvoir usiner les montants du caisson pour faire les rainures dans lesquelles vont venir s'insérer les fonds en mélaminé de 8. Et Jérémy, comme vous voyez, a faim. D'ailleurs, si Lays veut nous sponsoriser en nous donnant des chips quand on travaille. Côté gauche. Et je fais un petit signe sur chaque tablette pour montrer de quel côté je vais venir appuyer ma butée d'usinage. Ok? Derrière. Donc, pour Jérémy, regarde, viens voir. Ici. Je prends ma calculette. Plus 30. Oui. Tu reconnais ce symbole, ce signe d'établissement? Oui, ça c'est le signe de la serrure. Exactement, qui veut ça, dire c'est montant droit, montant gauche. Exactement, en Belgique ils font dans l'autre sens. Ah oui, en ouais. Belgique ils font tout à l'envers. Ils font vraiment dans l'autre sens, ça va plaire à du monde ça, ce que tu racontes. Donc. Je m'en fous, j'aime pas les Belges et les Belges même pas. Montant gauche, oui. Montant droit, oui. Montant intermédiaire. Non, c'est un refend. Un refend ou un meneau ou un montant intermédiaire, ouais. On peut l'appeler de la même manière. Oui. Si j'en avais eu plusieurs. Tu les aurais numérotés. Numérotés. Voilà, parce que des fois, tu peux prendre, quand tu usines avec la Clamex, tu peux mesurer par le côté gauche, mesurer par le côté droit, et donc tu peux avoir un qui va être usiné avec une référence à droite et un autre qui va être usiné avec une référence à gauche. Mmh. Si tu inverses tes pièces au montage, tu l'as dans le cululu, si tu dois monter des tiroirs, ça ne fonctionne plus. Mmh. Voilà, donc il faut faire vachement gaffe à ça. Ok? Tout à fait. Voilà, donc les montants, on va les mettre de côté. Oui. Maintenant, tu as ici... Que si tu les mets au milieu, c'est des montants. À l'arrière, je t'ai mis à l'arrière ici, je t'ai mis les symboles pour traverse basse, quand je disais traverse aïe, intermédiaire. Parce que j'ai mal, hein. Ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je vais arracher une burne. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Et à l'avant ici, oui. Tu as les signes. Ça, c'est l'axe. Ça, non, bon. Ce n'est pas l'axe, ah, c'est le côté gauche de l'usinage une fois la pièce en place. Ok ? Ouais, bien sûr. Donc, et ici. Allez, vas-y. Donc, vas-y. Donc, pour les tensos, on les positionne les femelles sur les surfaces. Je filme pas, moi. Ah, ben alors, dépêche-toi. Je tiens à dire que le mec, il pense qu'à sa tronche. Sur le droit. Et je ne suis pas dans mon droit. Ça, c'est l'arrière, ça. Oui, non, mais je fais n'importe quoi, Swan. Okay. Non, parce qu'en fait. On est d'accord. Hein. Alors, oui, je suis menuisier depuis des années, machin, gna gna, je ne sais pas où est ma gauche et ma droite. On va le rentrer après. On le rentrera après, par en haut. Oui, bah ça, c'est pas grave, ça. Bon, et là, on a mis des tensos, d'accord? Parce qu'on a décrété que ça suffisait. Enfin, moi, je voulais mettre des clamettes, mais on m'a dit de la fermer. Les gens qui me connaissent savent que je sais très bien déléguer.
Je ne sais pas qui a coupé. Donc la frappe sèche, tu veux savoir à quoi elle sert? Mais c'est plutôt... Oh là là, c'est l'usinage. Ah! Attends, t'as pas l'autre. Ah oui. Là, vas-y, tu peux descendre. Vas-y. Elle est où, il est où le maillet? Stop maillet. Oh, oh, oh. Oh, si tu veux, prépercier fraisé, mais bon... Il fait un peu chaud. Ah merde, c'est de la PZ. Il fait un peu chaud, j'enlève mon pull. Il veut pas un... J'enlève mon pull du coup. Ah, même ouais, mon t-shirt au profil. Le partenaire historique de Arnaud et de moi. Regarde, ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est des trucs qui fabrication française. Voilà. Non. Alors, ça rentre. Vas-y. Et donc, il faut la faire rentrant, il faut le positionner rentrant de 21 mm. Pourquoi 21? Il fait 21 le... Alors, non, les façades font 19. Tu peux te pousser le moins que les gens voient. Les façades font 19, ouais. Mais tu as les deux, 2 mm de jeu, 2 mm de, 2 mm de jeu de fonctionnement au niveau de la charnière. La charnière. En tout cas, chez Bloom. Voilà. Ouais, c'est quand même un peu trop petit, donc je vais utiliser... Ma visseuse. Je vous déconseille de faire les réglages de charnière avec la visseuse. Je vous le déconseille, mais je vais le faire. Là, on a plus que 525 là. Oui, il y a deux. Il y a 620 à peu près. J'ai rien dit moi. Ça va être long celui-ci. Oui, ça sent la... Pendant ce temps-là, la CNC bosse à notre place. Il prépare des petits plateaux pour pouvoir ranger les fraises à l'intérieur du caisson. Comment ? Oui. De là où je suis avec la lumière rasante, on les voit bien. Essaye d'essuyer en tournant, peut-être. On les rompt. Voilà. Voilà, la deuxième. Et voilà,
le rendu final. Le gars, il vient de mettre une vieille chiasse. Ben, écoute, hein, voilà. Petit week-end dans les Vosges chez Arnaud. Ouais. Content de vos questions, les gars? Très. Ouais, ça rend bien. Une bonne idée de Arnaud. T'as pris quoi? Qu'il faut pas mettre un demi-litre de Rubio par porte? Voilà. Ben, ça, on verra. Hein. Moi, je suis là tous les mois. Peut-être qu'une fois, c'est peut-être vous qui viendrez chez moi, un de ces quatre. Hein? Non, parce qu'il faudrait qu'on fasse la route ensemble. Donc, on n'arrivera pas jusque chez moi. Il y en a un qui va tuer l'autre avant d'arriver, quoi. Bah, je pense que c'est moi qui vais tuer. Ouais. Mais comme je serai en train de rouler, il mourra dans l'accident. Voilà, ce sera fabuleux. On va perdre de grandes forces du YouTube des Oiseux. Ah bon, qui? Ben. Ah bon, pas nous. Non. Ah oui, d'accord. Non. J'ai peur. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci Swan. C'était très bien. Non, moi, je suis hyper content d'être venu. Moi, je suis très content que tu sois venu. On se refera ça. Ma vidéo a fait 1700 vues et j'ai gagné plus de 20 abonnés. Ouais. Donc, pas merci à Swan parce qu'il y est pour rien. Mais ça me fait plaisir. Je voudrais savoir où sont passés mes 30 000 abonnés. Moi. Oui. Moi, j'ai 30 000 abonnés, mais je n'ai pas 1000 vues par vidéo. Si quelqu'un a vu les abonnés d'Arnaud. Ils sont peut-être dans la cave en dessous, là. Est-ce que quelqu'un pourrait dire... Sigil, les abonnés d'Arnaud. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Arnaud... aux abonnés d'Arnaud qu'il les cherche. On n'a même pas montré notre poussoir. On a fait des poussoirs aussi. Ah, ben tiens, attends, je vais en sortir un. Je sors le plus beau, là, que Jérémy a sorti comme un goré. Voilà, on a fait les petits poussoirs, là, comme ça aussi, avec la CNC, la CNC de la gamme Maker de Holz Profi. Il y en a peut-être sur ma boutique, non? Non. C'est possible. Ah, bah, tu pourras les mettre sur ta boutique. Ah, ça pourra peut-être intéresser des gens. Mmh. Et puis là, moi, je vais essayer pour notre ami Julien de faire un peu de gravure au laser dessus. Et si ça va fonctionner, hein, c'est même pas essayé. Oh, on va peut-être pas le dire. Hein. Je sais pas. On n'a pas le droit de parler des choses phalliques. On n'a pas le droit d'en parler. Donc on va lui mettre certainement son sponsor principal. Voilà. Coca-Cola. Evian. Ah, Evian. Ah, oui. Ou Contrexville. Il boit beaucoup d'eau. Ouais, il boit beaucoup d'eau. Et puis avec quelques petits croquis, des petits hiéroglyphes. C'est ça. Hein, voilà. C'est ça. Voilà pour qu'il puisse partir sur Mars. Voilà, avec du scotch. Voilà. Exactement. En tout cas, ben. Salut. Ben non, mais c'est pour vous tous. On va mettre en commun tous nos rushs. Donc on dit tous au revoir à nos. Tu dis pas au revoir, mais déjà, on t'entend. Pour une fois qu'on t'a entendu parler. Sur cette chaîne, on m'entendra. Cette vidéo, sur la chaîne, toi, tu prendras que des trucs. Tu vas couper le son et mettre de la musique à la place. Même quand il parlera en photo. Même quand il parlera, il aura le son, tu sais. Voilà, ben, salut tout le monde. Salut tout le monde. À une prochaine.